Je porte ce roman depuis 10 ans. Lorsque j'ai travaillé à mes romans précédents, je suis tombée sur une anecdote qui m'a vraiment fascinée. Anecdote qui est plutôt un fait historique, puisque pendant la période de la guerre de 30 ans, qui oppose catholiques et protestants en Europe, la bibliothèque palatine, qui se trouvait à Heidelberg, un trésor de livres immense, a été littéralement kidnappée, pillée et transportée à travers les Alpes jusqu'à Rome, où les livres se trouvent pour la plupart encore aujourd'hui. Alors, cette entreprise m'a vraiment fascinée par sa démesure, par la folie qu'elle implique, l'amour du livre aussi. Et j'ai voulu écrire ce voyage, puisqu'il s'agit d'un voyage entre l'Allemagne, l'Autriche et finalement l'Italie. Une cargaison infinie ou presque de livres transportés dans des carrioles, tirés par des chevaux, puis ensuite dans les montagnes, à dos de mulets et de mules. Ce qui me plaisait beaucoup aussi dans l'écriture, c'était l'envie d'écrire un voyage. Et que les phrases soient mimétiques de ce mouvement. C'est-à-dire que par moments, il y a des dilatations, des contractions du temps liées aux contingences. Je voulais écrire aussi sur l'aspect très matériel et difficile du voyage, sur les contraintes climatiques, sur les risques et les dangers, les précipices, mais aussi les attaques ennemies, les incendies, les débordements de rivières, tout ce qui s'est produit et qui a entravé par moments ce fameux voyage. Le paradoxe, c'est que ce voyage est mené par un personnage qui est un érudit de son siècle, un grand intellectuel qui communique d'ailleurs avec tous les intellectuels de son siècle, qui a beaucoup travaillé les auteurs grecs et latins, qui les a commentés, traduits, qui a aussi produit des traités de théologie, qui est absolument habité à la fois par Dieu, puisqu'il est éduqué jésuite, et par son pape à qui il fait allégeance et pour qui il mène cette entreprise. Le personnage est par ailleurs quelqu'un d'assez colérique, presque caractériel, ce qui lui donne une saveur particulière, et c'est aussi un grand mélancolique. On a une anecdote des siècles après sa mort qui nous dit par exemple qu'il était resté très attaché de façon fétichiste à une plume avec laquelle il écrivait en grec, et cette plume un jour a disparu et l'a plongé dans la mélancolie, c'est-à-dire une forme de dépression. Ce voyage est donc véritablement un western du XVIIe siècle, une grande épopée menée par un homme tambour battant, et il est d'ailleurs suivi de toute une pléiade de personnages qui sont pour beaucoup des malheureux, des pauvres gens jetés sur les routes par la guerre, qui s'agrègent à la caravane, qui essaient d'y trouver protection et subsistance. Ce sont des gens du peuple, et d'ailleurs cela permet un échange, une circulation entre l'intellectuel et les petites gens. Il y a également beaucoup de mercenaires qui encadrent cette caravane. Et cela me permet justement, dans ces échanges, de glisser, ce qui me plaît toujours, une petite histoire dans la grande histoire, à savoir une histoire d'amour qui donne évidemment beaucoup de subtilité, des émotions infinies, au récit. Histoire d'amour histoire complexe et non avenue pratiquement avec une jeune élève qui se trouve dans le train de la caravane parmi les gens du peuple. Ce roman est écrit à la première personne. Le narrateur, Leone Alacci, est vu au tout début du texte mourant. Il est en fin de vie et il revisite dans des rares moments de conscience ce fameux voyage, qui est un voyage à suspense auquel je vous invite. Je voulais d'ailleurs par ce procédé mettre une distance vis-à-vis de l'histoire, une profondeur qui donne de la mélancolie, car au fond le propos de ce roman c'est que reste-t-il de nous une fois qu'on a lu tous les livres? Est-ce que les livres sont plus importants que l'humain? Certes, ils pèsent lourd, mais de ces textes ne surnage rien lorsque l'on disparaît. Et c'est aussi une réflexion que je voulais mener sur le patrimoine, bien sûr, à l'heure où nous avons vu Notre-Dame brûler, à l'heure où nous voyons des bibliothèques pillées ou protégées, par exemple à Tombouctou, à l'heure où les objets d'art sont volés dans les pays du Moyen-Orient et font l'objet d'un trafic. Finalement, c'est une histoire parfaitement contemporaine que je raconte et qui nous incite à méditer, puisque c'est une forme de vanité sur le savoir et la volonté de savoir.